en mission de commandement et de contrôle depuis le lundi 22 mai 2023 à la base militaire de Kitono, Congo central, le chef d'état-major général des FARDC a visité près de 10 000 recrues en formation au centre d'instruction de cette base militaire. Le mardi 23 mai 2023, il s'est adressé aux recrues et aux cadres instructeurs dans sa causerie morale organisée à la grande parade de Kitona. Le lieutenant général Chio et Songe Sacrition leur a transmis les salutations et les encouragements du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi pour leur abnégation et leur épanouissement pour la patrie. Ensuite, le général Chio les a félicités pour la discipline, leur détermination de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, leur endurance et leur résilience pendant la formation. Aussi les a-t-il appelés à ne jamais trahir les Congo, à intérioriser et intégrer cette devise des FARDC dans leur comportement de tous les jours. Promotion Guépard. Nalingi na komi sanano mbote ya mokonzi ya mboka. Na yaki kotala bino. Na mona ki bino, denge bozalaki. Lelo pe na moni bino, denge bozali. Na moni changement, eza na miso na bino. Elongi na bino, ezwi poso mosusu. Na moni poso ya soldat. Discipline eza mai ya komela ya soldat. Ndenge oza na centre et l'armée est reposée sur le règlement militaire. Ndenge toza au. Armée eza na mission na yango. Sur yo kobima, oko présenter nini na mboka. Esengeli oko présenter eloko moko na mboka. Eloko wana se protéger la population et défendre l'intégrité territoriale. Soulignons que la visite du chef d'état-major général a pour objet l'évaluation des conditions de vie et de l'état de l'avancement de la formation des recrues. Bien avant sa prise de parole, le lieutenant général Ilunga Kampete Igraston, commandant de la base militaire de Kitona, a souhaité la bienvenue au chef d'état-major général et souligné les bons déroulements de la formation des recrues dans cette promotion baptisée Guépard. Enfin, les volontaires de la promotion Guépard de Kitona ont exprimé leur gratitude au commandant suprême pour les bons déroulements de leur formation. Jusqu'à là, impeccable, la causerie morale s'est terminée, comme d'habitude, par un défilé des troupes.